ouverture du Masters de judo à Budapest, en Hongrie, ce vendredi. L'une des compétitions annuelles les plus importantes qui réunit les meilleurs judokas de la planète. En moins de 48 kilos, la jeune japonaise Wakana Koga s'est imposée en finale face à l'américaine Maria Celia Laborde grâce à un Seo Yotoshi. La princesse Nobuko, ambassadrice de la Fédération internationale de judo, a distribué les médailles. En moins de 60 kilos, Ryuju Nagayama a lui aussi offert une médaille d'or au Japon en battant en finale le mongol Aryunbol Engtaivian avec un Sode Tsurikomigoshi. Nagayama remporte ainsi son troisième Masters. Les médailles ont été remises par le fondateur du groupe Taishan, Bianji Liang. En moins de 52 kilos, la Française Amandine Buchard a frappé un grand coup en s'imposant en finale face à la numéro 1 mondiale, la Kosovare Distria Krasniqi. Une victoire qui permet de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024 de la meilleure des manières. Max Hervé Georges, PDG du groupe Ultima Capital, a remis les médailles. Je suis toujours heureuse de participer à un Masters parce que j'aime les défis et j'aime me battre contre les meilleurs. Aujourd'hui, c'était très important de retrouver mon meilleur niveau. En moins de 66 kilos, une troisième médaille d'or pour le Japon grâce au parcours sans faute de Ryoma Tanaka. Il a battu en finale par ippon le Moldave Denis Vieru, numéro 1 mondial et champion du monde en 2022. Un exploit prometteur. Les médailles ont été distribuées par le président de Tianjin Shingi Sport, Yuan Zhang. C'est la première fois que je participe au Masters. Je me suis entraîné tous les jours pour remporter la compétition, donc je suis très heureux. En moins de 57 kilos, la Française Sarah Léonie Sizik s'est inclinée en finale face à la Canadienne Jessica Klemkate, qui a remporté le combat par ippon lors du Golden Score. La championne du monde 2021 remporte ainsi son premier Masters. Le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique et membre du CIO Mustapha Beraf a remis les médailles. Le public hongrois a aussi pu apprécier les performances de Reka Poup, qui a manqué le podium de peu en moins de 52 kilos. Suite de ce Masters avec les meilleurs judokas ce samedi.